De l'union entre Amadou et Mariam sont nés des petits et des petites mains, comme disent les Maliens quand ils font des vœux au nouveau Malien. Amadou et Mariam reçoivent leur progéniture avec beaucoup d'amour et d'affection. Avec le succès à leur porte, le cercle familial grandit et des mains invisibles se prêtent à donner les soins nécessaires aux enfants. Plus tard, Mariam réalise en son fort intérieur les difficultés auxquelles les enfants sont confrontés au Mali et dans le reste du monde. Elle compose donc ce morceau sur l'enfance malheureuse ou les injustices du destin. Mariam lance un appel solennel à toutes les volontés pour aider les enfants à s'instruire, à se former et à s'épanouir. Cette chanson est également une reconnaissance, voire un remerciement que Mariam adresse aux autorités maliennes pour avoir créé des structures d'accueil pour les enfants les plus démunis, et cela depuis les premières heures de l'indépendance. Mariam se met en première ligne pour combattre l'injustice et clamer haut et fort les droits fondamentaux de l'enfant. La chanson d'Emi Senou est un cri du cœur qui s'adresse aux parents, aux dirigeants du monde entier pour aider l'enfant à se tenir debout et à marcher la tête haute. La chanson d'Emi Senou est enfin un miroir dans lequel chacun de nous peut se voir et se juger convenablement. Demise un caca ni la donconyumae.